Je viens du même pays qu'eux autres. Dans la forêt au nord de Montréal, en Abitibi. Toute ma vie, je les ai aperçus que de loin. Sans m'approcher. Sans qu'ils s'approchent de moi non plus. Deux mondes parallèles. C'est des Algonquins, des Anishinabés, comme ils se nomment eux-mêmes. À un moment donné, je me suis rendu compte que je connaissais rien d'eux. Qu'en fait, personne ne connaît rien d'eux. C'est comme ça que la légende, c'est que Gadjugati, c'est nous autres. C'est nous autres, les Anishinaabe. La femelle, la mâle, et puis les petits. Ils couraient, les Indiens couraient après pour aller à chasse. C'est comme ça que la femelle a chanté aux petits pour le faire sauver. Alors, c'est la légende de l'Orinel, c'est la chanson. Et c'est comme ça. Leur territoire, c'est tout le nord de Montréal, d'Ottawa, le long de la grande rivière des Outaouais qui sépare le Québec de l'Ontario. Une géographie déboussolante, des milliers de lacs et de rivières, souvent interconnectés, parsemés de rapides, beaucoup de portages à faire. Des forêts encombrées, enneigées, difficiles à marcher, le royaume des mouches noires, bien protégé des envahisseurs. Ils vivaient en clans répartis sur le territoire de façon à ce que chacun de ces clans-là puisse disposer de 25 km carrés à peu près par individu. C'est ce que ça prenait pour vêtir, loger, nourrir chaque personne. Leur territoire, c'est l'hiver. Leur cauchemar, c'est l'hiver dans l'hiver. Janvier, février, quand la température se maintient à moins 30 degrés pendant une dizaine de jours. Dans les tanières d'animaux, c'est l'hécatombe. La mort rôde alors autour des campements humains. L'enjeu vital est de maintenir les forces des chasseurs. Ils devront avoir reconnu depuis longtemps l'emplacement exact des gros gibiers, seule source de nourriture capable de nourrir le clan pour quelques semaines. Puis, traquer la bête, souvent dans neige épaisse. Une chose dont on est sûr, c'est que 200-300 ans avant l'arrivée des Européens, la répartition des grands peuples amérindiens sur le territoire était établie à peu près comme elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire au nord, les Inuits, plus au sud, à hauteur de la baie James, dans les grands peuplements d'épinettes noires, c'était les Cris, et en forêt boréale, les Algonquins, et le frère Atikamek et Montagnais à l'est, et les Ojibwés à l'ouest. Puis finalement, les Iroquois et les Hurons qui avaient réussi à prendre le contrôle des Grands Lacs. Au sud du fleuve Saint-Laurent, les Iroquois commerçaient avec les Anglais de New York, tandis que les Algonquins et les autres, au nord du fleuve, faisaient affaire, eux, avec les Français. Entre ces deux grands clans, la guerre totale pour le contrôle du commerce de la fourrure. Une guerre de 100 ans. Mais les Anglais débarquaient en bien plus grand nombre sur la côte atlantique. À un moment donné, ils se sont retrouvés 15 fois plus nombreux que les Français en Amérique. La chute de Québec ne devenait plus qu'une question de temps. En 1760, c'était fait.
Le roi d'Angleterre, victorieux, demande au Board of Trade de Londres, la Chambre de commerce de l'époque, de lui soumettre un plan d'occupation de son nouveau territoire en Amérique. Le Board of Trade propose d'ajouter à la série de colonies anglaises déjà installées sur la côte atlantique, d'ajouter une nouvelle colonie dans la vallée du Saint-Laurent, la Colony of Quebec. Il propose aussi de fermer l'arrière-pays au bénéfice des compagnies de fourrure d'Angleterre. On baptiserait ce territoire-là « Indian Territory ». Il serait directement géré à partir de Londres, même qu'aucun blanc ne pourra y aller sans permission expresse des autorités. Le roi accepte et ça a donné ce qu'on appelle la Proclamation royale de 1763. Les Indiens étaient contents. Ça leur garantissait une emprise sur leurs terres, une sorte d'autonomie politique. D'ailleurs, les Indiens n'ont jamais oublié cette proclamation-là. Ils se demandent encore comment il se fait que le concept de Colony of Québec est devenu une réalité et non pas l'Indian Territory. Et encore aujourd'hui, la Cour suprême du Canada leur accorde raison à ce sujet. Mais ça n'a pas été long que les Indiens se sont rendus compte que ce n'était pas tant eux que la proclamation voulait protéger, mais les castors. Rapidement, le pays s'est peuplé d'Européens. L'exploitation des forêts a commencé, les colons débordaient des rives du Saint-Laurent, ce qui a fait que les Indiens ont été refoulés de plus en plus à l'intérieur de leur territoire. En 1800, les derniers Algonquins quittaient le village des Deux-Montagnes en face de Montréal pour se retirer vers le nord, vers le parc La Vérendrye. En fait, on n'avait plus besoin de l'Indien, mais de son territoire, même qu'il devenait encombrant. Une cinquantaine d'années plus tard, en 1850, les autorités décidaient de sortir les Indiens du bois et de les concentrer. L'Indian Territory allait finalement se résumer à des camps de réfugiés. Les Algonquins se sont indiqués deux territoires où est-ce qu'on leur établirait des réserves. L'une à Maniwaki, au sud du parc La Vérendrye, et l'autre au Grand Lac Témiscamingue. Une bande de nouveaux missionnaires venus de Marseille, les Aublats, transportés et logés par la compagnie de fourrure anglaise, la Hudson Bay Company, se portent volontaires pour faciliter leur soumission. La technique est simple, éprouvée et foudroyante. Leur inculquer la peur de l'enfer, concept inexistant dans la cosmologie amérindienne. Ce sont eux, les Algonquins Témiscamingue, sortis du bois après des milliers d'années, pour la photo. Ils se sont rendus à une force supérieure, certainement inquiets de leur destin. Ils ne savent probablement pas qu'ils vivent maintenant dans un nouveau pays, qui s'appelle le Canada, que leur territoire appartient à la province de Québec et qu'eux appartiennent personnellement au gouvernement fédéral. Ils ne savent probablement pas ce qu'est un droit et encore moins qu'ils n'en ont pas. Parce qu'une loi vient d'être votée, la loi sur les sauvages, en 1875, qui les rend inférieurs aux Blancs. Cette loi confirme leur incapacité légale. Ils seront considérés comme des mineurs, des enfants, qu'on pourra déposséder comme on veut, quand on veut. On décide de les blanchir. D'abord, leur faire abandonner leur langue, puis leur identité. On leur enlèvera en effet leur vrai nom et ils seront numérotés dans un registre. Une femme qui mariera un Blanc perdra son identité indienne, elle, et ses enfants. Elle devra quitter la réserve et ne pourra pas se faire inhumer dans le même cimetière que les siens. À l'époque, on se donnait une dizaine d'années tout au plus pour les assimiler. Ceux qui se résigneront à vivre dans la réserve auront droit à un toit, une école, une ration de survie. Ce grand bouleversement devait être compensé par le fait que la bande d'Algonquins Témiscamingue garderait le contrôle sur un petit territoire, mais aux frontières solides.
Les Indiens demandent l'établissement de leurs réserves sur toute la rive est du Grand Lac Témiscamingue. 100 000 acres, un peu plus petit que l'île de Montréal. Beaucoup trop, disent les autorités. Faut garder de la place pour les bûcherons et les colons qui sont sur le point d'arriver dans la région. Finalement, les Témiscamingues devront se contenter de la tête du lac, le tiers de ce qu'ils avaient demandé. Mais désormais, leur approbation sera nécessaire pour modifier les limites de la réserve. Hey, bonsoir tout le monde! Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Rodeo du Camion. On fait du country, on fait du blues, on fait du country rock. On est sur le site du Rodeo annuel du Camion de Notre-Dame-du-Nord. 60 000 personnes y viennent faire leur tour. Un gros party. Une grosse affaire. Personne ici ne se doute que l'événement se déroule sur la réserve ancienne des Algonquins. Personne ne sait que tout le long de ses 150 ans d'existence, cette réserve a été dépecée tranquillement, morceau par morceau, de façon cavalière, pour ne pas dire cowboy. Les Algonquins de la réserve de Témiscamingue sont en train de déterrer minutieusement l'histoire de chacune des redditions de territoire qu'ils ont eu à subir. L'histoire des surrenders. Yeah, there's 40 surrenders, and as far as we can tell, they are all suspect. All suspect? All suspect. And why do you say so? Just the way that things were done, they didn't seem to be done with due diligence. So each one of the surrenders requires further research to decide if due diligence was carried out. And under the word diligence, what do you see? Diligence means that it's done in the best interest of the Témiscamingue people, that it's done correctly, and it's done by the rules and regulations set out by Indian Affairs. There are all of them? All of them, all 40 are suspect. No one is clear? No. Well? And they each have their different reasons. Ce qui reste de la réserve d'origine, à peu près 15%, est devenu une banlieue du village de Notre-Dame-du-Nord, loin des berges du lac. 500 personnes y vivent. 1000 autres Algonquins ont dû quitter, faute d'espace ou de moyens de gagner sa vie. Mais dans leur précipitation à arracher les lots un à un, les autorités ont laissé échapper un détail. Exactement. Là. Es-tu dans la partie blanche, quoi, ou indienne? C'est pas mal mélangé, comme tu disais, quand ils ont fait des surrenders pour les terres, ils ont vendu le terre à côté, mais ils ont oublié de transférer les chemins. Donc le chemin, c'est là, ici, puis c'est là qu'ils s'en vont à l'ouest, là, vers l'Ontario. C'est là, c'est encore retourné au nord du conseil de bande. OK. Ça veut dire que c'est... Toutes les lots en face, les pelouses, en face, les maisons, ça appartient encore aux premières nations. OK, ça veut dire que parce que la poule allait, là, c'est en territoire indien. Oui, oui. Ah, pas très bon. Parmi la quarantaine de dépeçages du territoire algonquin de Notre-Dame-du-Nord, l'un est bien documenté, avec témoins oculaires. Ça s'est passé durant les années 30. Les Algonquins perdront alors la moitié du territoire qui leur restait. Le dernier dépeçage, l'affaire Nidlec. À partir du moment où ils ont obtenu la réserve dans les années 1850,
Les Algonquins sont restés longtemps tout seuls dans leur coin, une bonne cinquantaine d'années. Finalement, le train est entré, les colons suivis, une vraie vague. Ils arrivent à la tête du lac, aux portes de la réserve. Impossible de la déloger, c'est un territoire régi par le fédéral. Et les colons qui continuent d'arriver, plus de place près du lac. On passe par-dessus la réserve et on fonde une paroisse à une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres, à côté sur la limite nord de la réserve. Le village de Nidlec. Le missionnaire colonisateur de la place, le curé Zéphirin Moreau, n'accepte pas de se retrouver aussi loin du lac et encore moins que des Indiens gardent une forêt en bois de boue juste à côté de sa paroisse. Une nuisance, dira-t-il. Pendant 25 ans, il va s'acharner à créer les conditions gagnantes pour faire capituler les Algonquins, en forçant les autorités à organiser référendum sur référendum jusqu'à ce qu'ils disent oui. Le père Moreau, qui est arrivé à cette époque, était l'un des majeurs promoteurs de la colonisation. Et il a mis de la pression constante sur la bande et surtout sur la chef de conseil, les conseillers. J'ai surtout entendu parler de lui, là, okay. Du curé Moreau. Là. Okay. Puis il avait, ben on dirait qu'il abusait de son pouvoir un peu, là, ses citoyens, c'est tout le monde. Là. Puis il harcelait les grands. Pour les grands, c'est ça. Voilà, il écrit au ministre de responsable de la colonisation. Il dit, cette lettre pour te demander de mettre tout en branle immédiatement pour arracher à Ottawa ce beau territoire. Si tu veux, avec le premier ministre, faire pression sur Ottawa, je suis sûr que le gouvernement capitulera devant vous. On me dit que des influences occultes s'opposeraient à cette entente, mais je n'en veux rien croire, parce que si quelqu'un était connu ici comme s'opposant à cette riche addition à notre territoire, il volerait en éclats. C'était, il avouait sa réserve. C'est parce que ça appartenait aux Indiens, ça. Ça appartenait aux Indiens, puis là, le gouvernement, bien, il les a changés. Ils ont pris des terrains, puis les autres, ils les ont bâtis au nord. Il y a le village des Indiens au nord, là. Bon, bien, c'est ces Indiens-là, ça lui appartenait, ça. Le 25 juin 1938, le député du comté, le maire du village de Nidlec, le curé et une horde de colons pénètrent en toute illégalité dans la réserve indienne, la hache à la main. Le député déclare « Il faut s'emparer de cette terre. Je ne voudrais pas prêcher en faveur de la violence, mais le temps est venu où il ne faut plus hésiter à passer aux actes. » Il y avait des télégrammes à Ottawa, à part de l'agent des Indiens, disant que, disons, envahi la réserve, qu'est-ce qu'on doit faire? Et dans la nuit, les brasiers flambent comme des feux de la Saint-Jean. Le fédéral est intervenu en disant que c'était illégal, on doit se retirer. Ils se sont retirés, mais en même temps, le gouvernement fédéral a décidé de convoquer une autre réunion pour discuter le surrender, la cession de Nidlec. Is anybody among you that heard about the 1939 surrender? I was there and saw them when they voted, you know, to give us $3 a year, something like that, each member of the family. I saw them do that. Ils ont voté, et ils ont voté encore une fois contre le surrender. C'était exactement comme en 1937 et 1938. Alors, que faire? Il y avait un télégramme à Ottawa, et la commande était d'essayer encore une fois. They had a teacher's desk in our school, and it had all kinds of money. And there was a Mountie standing there watching it. That's what fascinated us children, I guess. We had a few protests, you know, like George Paulson. I mean, he protested that money dumped out there on the table. Back there in 39, you know, we didn't have much money. So that went over real good, see all that big pile of money. Durant la fin de semaine, il y avait une grosse partie de l'encouragement, toutes sortes d'encouragements de voter oui. Ils ont saoulé? Oui. Et il y a eu quelques voteurs parce que
le nouveau, le vote encore une fois, le lundi, pensez que c'était le lundi, sept fois, ils ont voté pour. It's an awful thing to say, but we felt like animals. We'd get thrown in a piece of steak and everybody would fight over it. You'd lose your friends and everything, and then the government would like that. We'd try to get along on some other thing, and the government would come and put in a little money, and then everybody start a fight again. This is the way it's been. It's been like that all my life. Soixante ans après les événements, alors que la réserve indienne cherche à s'agrandir dans l'espoir de pouvoir ramener les 1000 Algonquins qui ont dû partir, le village de Nidlick, 15 fois plus grand que la réserve, est presque désert. Au Témiscamingue, ici, on va être plus que 25 % de la population. Le monde pense qu'on vit à, tu sais, un vie fameux sur les réserves, mais la réalité n'est pas de même. On ne peut pas aller au caisse ou une banque pour faire un emprunt parce que notre aide ne peut pas être garantie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des prisonniers hein, dans des communautés. On n'a plus rien. On vit dans un trou qui appelle une réserve. On n'a plus accès à nos têtes traditionnelles. On n'a plus notre langage. On n'a plus de nos histoires. C'est toute partie. On est comme un fantôme sur la terre. Nous autres, on est les seuls qui sont encore sur notre terre. Les autres, c'est tout vendu à des étrangers. Même les Allemands qui viennent s'installer par ici. Même les Allemands? Ouais. On s'est bien installé à cette heure des Indiens. Mm-hmm. Hein, des beaux formeux, des skidouneux, des quatre roues, puis ah. Ils ont tout, ils n'ont pas de permis de chasse à avoir, ils n'ont pas. Ben ils peuvent tuer n'importe quel temps dans l'année. Ils peuvent partir aujourd'hui pour tuer un amnial, puis pas un mot. Mais nous autres, si on va tuer un amnial, par exemple, on va se ramasser en prison. Est-ce que vous changeriez d'existence avec cette vie d'un Indien? Non. Pourquoi? Ben. Nous autres, on est mieux. Ouais. On est bien quand il est là, d'autres là. Les Algonquins de la réserve de Notre-Dame-du-Nord sont quand même bien chanceux, parce qu'ils gardent au moins le contrôle sur leur miette de territoire. Ça prend encore leur signature pour en disposer. Les autres Indiens qui n'ont pas voulu aller vivre dans les réserves de Notre-Dame-du-Nord ou de Maniwaki n'ont même pas de territoire à défendre parce que quelqu'un d'autre est propriétaire du terrain où ils ont abouti. À une centaine de kilomètres en amont de la rivière qui débouche dans le grand lac Témiscamingue, une communauté de 700 personnes est parquée sur un terrain pas plus grand qu'une terre de colons. Et avant d'arriver là, ils ont dû déménager par deux fois, la construction de barrages ayant inondé leur campement. Qu'on est aujourd'hui, là, ça, c'est une baille par les Oblots au gouvernement du Québec. Puis aujourd'hui, Wanoé, c'est pas vraiment une réserve, c'est un établissement qu'on appelle. Là. Puis ça existe depuis 1959, parce qu'ils ont signé la première baille, je pense. Ouais. Puis c'est juste 92 heures. On a presque plus de traces de musique algonquine, probablement disparue avec les chamans. Partout où on est allé, sur leur territoire, on a entendu les mêmes chansons de Johnny Cash et de Hank Williams, ces tragédiens populaires qui ont écrit des chansons où domine le sentiment de mélancolie, de perte, de tricherie. Les Algonquins de Winnoway ont d'ailleurs été victimes d'une tromperie il y a quelques années. C'est ce dont il voulait nous parler. Yeah.
Aujourd'hui, la question des terres n'est toujours pas réglée pour le village de Wenawe. Les Oblats sont toujours dans le décor. Les Oblats, eux autres, se disent prêts à transférer ces terres-là à la communauté. Et quand on aborde ça avec les gouvernements, on dit bien, la centrale, ici, devait être dans le village de Wenawe aussi. Et les discussions arrêtent toujours là quand on commence à aborder la question de la centrale. La centrale que l'on aperçoit en bas de l'écran produit du gros courant industriel qui serait bien utile à la communauté pour amorcer un développement économique. Mais curieusement, l'électricité produite ne se rend pas au village. Ça, c'est une centrale qui a été construite dans les années 1938-39. Les travaux ont commencé à cette époque-là. Et le but de la construction de cette centrale-là, c'était pour alimenter une mine, les ancêtres de Long Point, les aînés, ont participé à la construction de la centrale, mais aussi à l'opération et la maintenance de ce complexe hydraulique-là. Et vers la fin des années 60, la mine a fermé. Et de là, nous autres, on avait eu la promesse du gouvernement du Québec comme quoi qu'il était pour nous favoriser, pour être les nouveaux propriétaires de la centrale. Et c'est Algonquin Power qui a finalement eu la gestion puis l'ownership, la propriété du site. Mais Algonquin Power, c'est vous autres, ça? Non, c'est pas nous autres. C'est une compagnie qui a son siège social au Mississauga, Ontario. Puis moi, quand j'ai rencontré le ministre, j'ai dit, mais pourquoi tu l'as accordé à cette compagnie-là? Bien, ils ont dit, quand on a vu le nom Algonquin, on a pensé que c'était vous autres. Tu vois, c'est ça que je dis, il y avait beaucoup de mauvaise foi, puis il n'y avait aucune volonté réelle pour que les gens de Long Point soient les propriétaires de ce site. Qui c'était ce ministre-là? À l'époque, c'était le ministre Guy Chevrette. Il était ministre des Ressources naturelles. Et je crois qu'il avait aussi le ministère, le secrétariat aux affaires autochtones. Les Algonquins de la réserve de Wenawe sont quand même bien chanceux. Ils sont locataires. À une centaine de kilomètres encore plus loin sur la rivière, les Algonquins de Kitsakik sont, eux, tout au plus considérés comme des squatters. Ils n'ont donc droit à aucun service. Pas d'eau courante, pas d'égout, pas d'école. Les dimanches soirs, les enfants doivent partir pour Val-d'Or et passer la semaine en foyer d'accueil. Encore dans nos sites traditionnels. Puis on a toujours demeuré ici, on n'a jamais signé quoi que ce soit. Souvent, on laisse le message au gouvernement provincial. Écoute, j'ai pas à négocier ou à revendiquer des terres qui sont déjà à nous. Tu sais. On passe notre temps à revendiquer des terres, puis pourtant, nous étions là avant. Nos ancêtres étaient là avant, puis je comprends pas pourquoi qu'on nous reconnaisse pas.
Là où on est présentement, c'est Hydro-Québec. Donc, théoriquement, on ne devrait pas être ici. On ne devrait même pas construire nos habitations autour. On ne devrait pas faire aucune activité, compte tenu que ce serait une propriété privée d'Hydro-Québec. Mais on est là, puis on fait nos... On a décidé d'occuper l'espace ici. On a construit des maisons, on a fait nos infrastructures ici. Puis Hydro-Québec nous ont toujours avertis, mais ils nous ont toujours tolérés aussi. Les autres communautés ont accepté d'être en réserve. Oui. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que pour ceux qui sont dans d'autres communautés, là, c'est, ils ont beaucoup d'avantages au niveau du logement, au niveau de l'eau, au niveau de l'hydro, toutes ces choses-là. On n'a pas ce que les autres communautés ont. Nous, on fonctionne avec des génératrices. On fonctionne à peine avec... on va chercher notre eau encore, d'ailleurs. Et on a un bloc sanitaire qui va donner accès à la population. On est à 200 pieds? À peu près 200-300 pieds de la communauté. Là. L'électricité, c'est avec une génératrice. C'est ça. On a nos générateurs. Et ça, à quoi ça sert d'abord? Ça sert juste à contrôler le niveau d'eau du réservoir. Puis avec le réseau, pour s'assurer que Montréal, on ne se promène pas en canot dans le centre-ville. Parce que s'ils sont laissés ouverts et il n'y a rien qui se fait ici, au printemps, il y a une risque d'inondation dans la grande ville de Montréal. Quand ils l'ont construit en 1959, Hydro-Québec a demandé si le barrage d'eau avait cette capacité-là de générer de l'électricité. Puis le rapport qu'on a trouvé concluait que c'était possible pour ce barrage-là de produire de l'électricité. Il dit, ce barrage-là, c'est à nous autres, c'est à Hydro-Québec, ça appartient à la société d'État, ça appartient aux payeurs de taxes. Il n'est pas question qu'on vous donne le droit de mettre un micro-turbine là. Puis ça finit là. Suite à la construction du barrage, il y a le mercure qui est installé aussi chez les poissons puis dans l'eau. Il y a aussi les déchets miniers. On a aussi les déchets des activités forestières, la drave, tout ça. Donc, l'eau, n'importe où ce que tu vas aller ici, elle est polluée. T'sais. Une game de cassé, là, quand même. Là. Mais il faut s'organiser. Dans chacun des villages algonquins qu'on a visités, il y a toujours, comme par hasard, un problème qui empêche la communauté de respirer. Cette accumulation de hasards en vient à ressembler à un plan général, à un plan de sous-développement. Il y a à peine un quart de siècle, l'Abitibi était encore un pays sauvage. Ses grands lacs poissonneux, ses rivières profondes, ses forêts denses et luxuriantes, constituait à l'Indien un vaste et merveilleux domaine de chasse et de pêche. Comment loin dans le temps, là, vous pensez trouver tout ça? Ici, il y a deux occupations principales, il y a à peu près 1000 ans. Il y a 1000 ans. Et puis entre 800 et 1200 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes capable de reconstituer qui c'était? Moi, je suis persuadé que c'est les ancêtres des Algonquins actuels. Pourquoi? Parce qu'on suit dans le temps. On suit dans le temps, nous. On n'a pas juste, on n'étudie pas juste un site tout seul. On a une trentaine de sites qu'on a fouillés depuis 20 ans. Okay. On voit la suite puis les objets qui se suivent. Il y a 3000 ans, là, ça. Il y a 3000 ans. Okay. Ça, puis ça, vous pouvez déterminer si c'est un campement d'été ici. Oui, on fouille le chalet. Quand les Canadiens sont partis à conquête de l'Ouest après la Confédération, en bâtissant leur fameux chemin de fer transcanadien, le gouvernement a systématiquement demandé à toutes les bandes indiennes qu'ils rencontraient de leur céder leur territoire par la force ou par traité.
Ils considéraient donc que les Indiens avaient des droits sur leur territoire. Il a été signé comme ça une douzaine de traités, à partir de la rivière des Outaouais jusqu'au pied des Rocheuses. Mais pas au Québec. Or, la frontière qui sépare l'Ontario du Québec passe en plein milieu d'une bande algonquine. On est en 1906, au lac Abitibi. C'est là qu'ils vivent les Abitibi-Winnie. C'est les Algonquins les plus nordiques de toutes. Ils vivent en bande autour du lac. Le 4 juin 1906 arrive une délégation un peu spéciale. Des canots, avec assis dedans des commissaires du gouvernement fédéral, un représentant de la province d'Ontario. Parce que depuis la Confédération, ce sont les provinces qui sont propriétaires des territoires. Pourtant, pas de représentant du Québec. On est au mois de juin. L'hiver est fini. La fourrure se vend mal. Ces Algonquins sont de toute évidence bien mal en point. On peut les mettre à genoux pour ramasser des bonbons. Les commissaires arrivent avec des grosses valises pleines de cash avec des petites coupures. Lisent une déclaration solennelle en anglais, que personne ne comprend la langue. L'interprète, c'est le commis du poste de traite local. Tout ce qu'il connaît de la langue algonquine, à peu de choses près, c'est le nom des animaux à fourrure. On déclare, entre autres, « Attendu que les dix commissaires sont entrés en négociation avec les Ojibwés, les Cris et les autres sauvages de la région, sont eux autres, si après des critiques qu'ils ont conclu un traité par lequel ces derniers cèdent et abandonnent à perpétuité au gouvernement du Canada, pour Sa Majesté le Roi et ses successeurs, tous leurs droits, titres et privilèges quelconques relatifs aux terres. » Droits, titres, privilèges. Ils comprennent rien. C'est des concepts qui leur sont inconnus complètement. Moi-même, 100 ans après, j'ai été école un bout de temps, puis je me retrouve pas souvent là-dedans. En fait, pour eux autres, comme pour tous les Amérindiens, on ne peut pas posséder de terre. On en fait partie. On fait partie de la terre. Faites pas. Ils précisent d'ailleurs qu'il y a une frontière qui sépare la bande en deux. Ceux qui chassent à l'ouest, puis ceux qui chassent à l'est. L'Ontario puis le Québec. Là, ils s'adressent à ceux de l'Ontario. Ils disent, le gouvernement de la province d'Ontario a vendu au gouvernement fédéral 35 000 carrés de territoire, à peu près 1 000 carrés par famille, pour une réserve pour vous autres. Si vous signez, si vous entendez, si vous signez, on va vous donner, vous aussi, 4 piastres par année. Puis une autre chose que le traité stipulait, que si jamais sur leur réserve, les compagnies forestières venaient ou s'ils trouvaient une mine, ils seraient compensés convenablement. 50 ans plus tard, cette petite clause-là prendra une grande importance. Les Abitibi-Winnie de l'Ontario sont d'accord. Ils apposent une croix au bas du traité. Puis les commissaires leur donnent une copie du traité, un drapeau. Puis le cash en question. À ceux du Québec, leur donne un drapeau puis une pipe avec rien dedans. Pas de cash. On leur explique, le gouvernement de la province de Québec refuse de leur céder du territoire pour
près à des dimensions semblables, 35 000 carrés, parce qu'ils considèrent que les Indiens n'ont aucun droit sur le territoire et que si jamais il y en avait eu, bien, il était disparu avec la fin du régime français. C'est tout. Ils leur disent, on va quand même essayer de convaincre le gouvernement du Québec de changer d'opinion, puis on va revenir. Bisous, bye-bye, and quick. Le Québec refusa catégoriquement. Le fédéral a finalement proposé aux Abitibi-Ouini du Québec de faire semblant qu'ils vivaient en Ontario et de signer. Qui gamine gojounia, beige gobe punta, panegoje comme adesien. Qui gamine go, gispen, au jeu de son roi mazenegue. Inagan you walk. Kakinagojigan nishna, it's a man who gash my bit to be a nishna, big nagor, and good dots with us and with an ogama bit to be a nishna. Kakinadashigi nagan you. His kill she builds over the sukima gay he gino, agor, and even give she builds over gimak. Il s'agit de Guinagan. Mais c'est plus comme un Guinagan, which Anishina Beniobic, 1906, is Mais les Abitibi-Ouini du Québec ne sont jamais allés habiter la réserve ontarienne pour la simple raison que ce n'était pas leur territoire naturel. Et le gouvernement du Québec n'a jamais libéré d'espace pour les installer en quelque part. Ça fait que pendant 50 ans, les Abitibi-Ouini du Québec ont erré le long du chemin de fer, établissant leur campement d'été aux abords des villes, La Sarre, Amos, Sainte-Terre. À Amos, l'évêque leur accordait parfois la permission de s'installer sur les terrains de l'évêché. Mais ça dérangeait les Blancs. Les chiens indiens jappaient après les vaches des colons, qu'on disait. On ne savait pas quoi faire pour s'en débarrasser. Miki apa nong kong kono ke maga besi siap itu bima jide ada seta. Nong kong das kaku naga jaga dego dia beti bima jide ya. Kaki niki ni o besi kau ganis na bega emas lasar lobos nong tu sakuri ke bai jo besi kau gana. Kau ke gon ganis na bego ki naga jaga de beti bi. Kaki pici das kia ni o neni gade das o ke jida kuki nong huma eta. Algonquin Anishinaabe, gidi urdaya, gidi ayamu arz, Anishinaabe kini. Finalement, les années 50, dans la réserve indienne en Ontario, les compagnies forestières sont rentrées. Et conformément au traité, toutes les Abitibi-Ouini devaient être compensées. L'apport qui était dû aux Algonquins du Québec, ça s'élevait à 6 000 Ça a été perçu par le fédéral. Et le fédéral, avec cet argent-là, donc avec l'argent des Indiens, ils ont acheté 2 lots de cultivateurs pas loin d'Amos. C'est donc ici, à Picogan, à 100 km du lac Abitibi, qu'on les a installés. Le traité nous a juste divisés. Là. Le Québec il voulait protéger son territoire. Là. Fait qu'il nous a complètement ignorés. Là. Et aujourd'hui, on n'est pas propriétaire des terrains. Alors que s'il nous aurait donné à l'époque la réserve qu'il avait promis, c'était complètement différent. Là. C'est dans ce sens-là, c'est parce qu'on aurait été propriétaire de terrain. Là. That's a nice Jeep. You bought it with all the $4 you received. Ah.
La majorité des Algonquins vivent dans cette grande forêt qu'on appelle le Parc La Vérendrye, le cœur de leur territoire ancestral. Une des dernières grandes forêts naturelles du monde. Elle est belle, mais sa biologie est assez pauvre. Pour une même surface, il y a 10 fois moins de plantes ou de bubites qu'au Costa Rica. L'hiver occupe la moitié du temps. Néanmoins, les Algonquins ont pu maintenir leur mode de vie jusqu'au début des années 1900. Cet équilibre délicat entre l'humain et son milieu allait être bouleversé par l'invasion des compagnies forestières. Au début des années 1900, on a vu dans la région jusqu'à 5000 bûcherons qu'on devra nourrir à même le garde-manger naturel des Algonquins. S'en est suivi l'arrivée massive de chasseurs, de trappeurs et de pêcheurs blancs. Les Algonquins ont failli disparaître à cette époque de famine et de maladie. Des forêts entières ont pris le chemin des rivières, seule façon de transporter le bois. Et pour que le bois circule bien, qu'il ne s'accroche pas partout, on construisait des barrages pour régulariser les cours d'eau. Des barrages de rétention. Quand ils se remplissaient, l'eau refoulait dans les territoires de chasse. On perdait alors la trace des animaux qui avaient réussi à éviter la noyade. Puis, on ouvrait le barrage. Des millions de pitounes qui couvraient les rivières. On peut s'imaginer les problèmes que ça causait aux Algonquins, eux qui voyageaient surtout en canot. En 1939, on entreprend la construction de la route reliant les Laurentides jusqu'à l'Abitibi. Mont-Laurier-Val-d'Or. On construit la route, mais en même temps, il sera interdit aux Algonquins de chasser ou de trapper de chaque côté 15 km de chaque bord de la route. Il sera même interdit de se rapprocher en dedans de 1 km de la route pour ne pas nuire aux touristes voyageurs. À l'été 1939, M. le ministre de la Voirie du Québec, l'honorable Télesphore Bouchard, les deux mains dans les poches, accompagné de son épouse, s'en vient surveiller les travaux de construction de la route. Ils en profitent pour accomplir un voyage de reconnaissance auprès des occupants encore sur le bord du chemin. Son épouse fait les premiers contacts que semble apprécier le ministre. Aussitôt après, il sort une main de sa poche pour sceller une entente historique avec la nation algonquine. La première rencontre officielle du gouvernement du Québec avec les Algonquins s'est avérée un franc succès. Ils se faisaient enlever leur nourriture
et aucun recours possible contre un tel abus parce qu'il était interdit à tout avocat de les défendre sous peine d'une amende de 200 $. Il ne pouvait pas non plus se plaindre auprès du député. Les Indiens n'ont pas eu avant 1969 le droit de voter. Vers 1950, le territoire est conquis. Les ressources sont acquises. Mais les Indiens demeurent un problème partout au Canada. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas encore réglée, c'est leur assimilation. Ça n'a pas marché. On pense maintenant que la seule façon de le faire sera par l'enlèvement des enfants et leur déprogrammation psychique. Combien d'enfants qui sont allés au pensionnat? Quintas. Sept. Cinq. Ça fait 22 à eux trois. Il aura suffi d'une génération, de l'ouverture des voies de communication et de la colonisation pour bouleverser le mode de vie des Indiens. Privés de leur gagne-pain traditionnel, la chasse, ils durent se mettre au service des Blancs sans y être préparés. C'est pour les aider à mieux s'adapter à leur nouvelle vie que les missionnaires Oblats fondèrent, avec la collaboration du gouvernement canadien, le pensionnat indien d'Amos. Il y avait des gens du ministère des Affaires indiennes qui venaient faire le recensement des gens qui sortaient du bois pour prendre les enfants de 7 ans montant pour qu'ils rentrent à l'école la prochaine année. On se préparait pour aller dans nos camps de trappe. Quand que, soudainement, tous les parents ont demandé de monter la côte de Douzois, puis on ne savait pas ce qui se passait. Et même moi, je ne savais même pas, on n'était même pas habillé, quoi que ce soit. Puis la seule affaire que j'ai su, c'est que j'étais dans l'autobus. Mais pourquoi? On ne savait pas. La réalisation de partir de notre communauté, ça nous a frappé quand on a sorti du village, là, 5000 plus loin sur le grand chemin. Puis montait dans l'inconnu. On ne savait pas. Puis presque tout le monde a pleuré dans le bus. C'est le grand départ vers une vie nouvelle, une vie qui ne pourra jamais plus être celle qu'ont vécu leurs parents et leurs ancêtres. Dès le début de l'année scolaire 1955-56, les Oblats et les religieuses de Saint-François d'Assise accueillirent un premier groupe d'enfants de 7 à 12 ans qu'ils partagèrent en 6 classes. Les premiers mois furent consacrés à l'enseignement d'un vocabulaire uniforme. Pendant les premiers 4 ans, j'ai resté à l'école pendant 10 mois par année, sans voir mes parents, sans voir la famille, qui que ce soit. On n'avait pas le droit de retourner durant les vacances de Noël, pas quoi que ce soit. J'avais 5 ans, puis j'avais une maison qui était là, puis je parlais en algonquin, puis il me disait « Chut, parle pas en algonquin, qu'on a un chenal ben mouquin », c'est ça qu'il me disait. « T'as pas quitté au goût », il me disait « Ils vont te frapper ». Puis qu'est-ce qui s'est passé là, c'est que... c'est d'apprendre à parler français le plus vite possible. Apprendre les règles qu'on comprenait pas, la langue qu'on comprenait pas. Puis il fallait le parler. Si tu parlais pas ça, si tu te faisais punir. On utilise, pour accélérer leur apprentissage du français, la méthode dynamique, mise au point par les religieuses du Sacré-Cœur de Sherbrooke. La méthode dynamique d'enseignement des langues se complète par un enseignement concret du vocabulaire français. À un moment donné, un des frères m'a ramassé, il m'a entendu parler. Ça a été la coup de règle des mains. Tout de suite, paf, paf. Puis... À un moment donné, ça a été aussi des coups de ceinture. Des grosses trappes.
des grosses marques sur le derrière. Pas sur le dos, sur le derrière seulement. Fesse-nœud. Puis il pinçait les oreilles fort. Si c'est pas les oreilles, c'était en dessous ici où ça fait mal. Là. C'est là qu'il nous pesait de même. Ainsi, le petit Indien apprend à partir d'un tout vivant la phrase qu'il enregistre comme l'action qu'elle exprime globalement. Ce n'est qu'après coup qu'il distingue les mots isolément et les fixe dans sa mémoire. C'est impensable pour nos parents de comprendre ça, qu'on a été abusé dans ce coin-là, qu'on nous a sodomisé puis qu'on nous a fait toutes sortes d'affaires. Pour les autres, c'est impossible que c'est des hommes de Dieu puis des femmes de Dieu qui vont faire ça à des enfants. C'est impossible. Elle a vécu des abus sexuels. Personnellement, moi, j'ai vécu cet abus sexuel-là avec les autres-là à l'âge de 10 ans. Puis ça a duré jusqu'à 3 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis moi, je voulais pas que mes parents, ma mère, aient honte de ça parce que aussi, j'avais juste 2 mois et demi pour connaître et aimer mes parents. Donc, j'ai retenu cette souffrance-là pendant toute cette période-là. C'est rien, ça, d'être nu. Non. C'est rien, ça, de se faire jouer après. Puis les enfants, ils jouaient avec. Puis lui, il était couché sur le lit. Ça, c'est des affaires qui s'est arrivées. Ils ne s'excusent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de ça. Il ne s'excusera jamais. Ça, c'est l'Église catholique de Rome là, qu'on parle. Là, t'sais. Les milliardaires qui ont dépensé juste pour nous séparer de notre coutume. On n'est pas supposé faire ça. T'sais. Là, aujourd'hui, il veut donner de l'argent à cause que tu étais là, 10 000 piastres, il y en a de 30 000, tout ça. Tu ne peux pas acheter qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Tu ne peux pas acheter... et ôter un souvenir. Que ce soit pour le mieux ou pour le pire, ces petits Indiens n'ont plus d'autre choix que d'aller de l'avant. Vient un moment, dans la vie des peuples comme dans celle des individus, où il ne sert plus de rien de regarder derrière soi. Tous les enfants qui ont été là, ceux qui ont vraiment connu l'isolement, puis les abus physiques et sexuels, étaient vraiment... complètement déconnecté de où on venait. Ça a été ça qui a amené la communauté à se détruire, des individus à des suicides, à des, tu sais, à un paquet d'affaires, des abus d'ordre sexuel qui s'est commis envers des femmes, des enfants, des hommes. C'est ça qui est arrivé comme... On a tout simplement reproduit un comportement. Là. Fait que les jeunes d'aujourd'hui, ils savent pas d'où que ça vient, ça. Parce que les propres parents, ils en parlent pas des subis qu'ils ont vécu dans des pensionnats. Mais aujourd'hui, ça commence à en parler. Là. Puis ça fait que là, les gens aujourd'hui voient où est-ce qu'on peut se diriger vers la guérison. C'est à nous tous d'aménager notre société de manière que nos victimes d'hier et nos pupilles d'aujourd'hui ne regrettent jamais d'y être intégrées par la force des choses et du progrès. Thank you.
J'ai vécu pendant 4 ans avec un homme. Puis j'en ai vécu, puis j'en ai arraché aussi. Puis les derniers temps de ma vie, j'étais rendue à ce qui me battait, même à jeune. On nous a toujours éduqué qu'on doit accepter de l'homme, qu'est-ce qu'il nous faisait, tout ça. On s'est dit, OK, ça suffit, là, la vie comme ça. Ça suffit pour faire un changement. Puis ça fait son chemin jusqu'à 91. Les premières affaires qu'on a faites, c'est qu'on a porté plainte contre nos conjoints, contre... Il y en a qui avaient des chums, ils ont porté plainte contre leurs chums. Il y en a des jeunes qui ont porté plainte contre le curé, parce qu'il y avait, eu des abus sexuels. Ça fait que c'est ça qu'on a dû tout faire. On a comme tout brisé le silence. Combien d'hommes sont allés en prison? Mon Dieu, je pense qu'il doit en avoir 15 à 25, je pense. On n'a jamais fait le décompte de ça. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. Edmond comme époux, pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles, tout au long de ta vie. On va les placer ici, attends. Alors on écoute bien ce qu'il va dire. On écoute, s'il vous plaît. Adrien Joto. Chut! Adrien, je te donne un signe de notre... C'est quoi déjà? Cette alliance. Adrien, je te donne cette alliance en signe. En signe de notre mariage. Puis la consanguinité aussi, qui à travers tout ça, tout le monde se marie. Marie, son beau-frère, son cousin, sa cousine. Il n'y a pas nécessairement de sensibilisation qui se fait au niveau des jeunes filles, des jeunes garçons aussi. Parce qu'il y en a qui sont avec leur cousin germain de deuxième génération. Il y en a qui sont dans la première génération. BC News. Je ne sais pas si on va vivre longtemps de ne pas avoir du sang nouveau ici, là. Thank you.
90% ici des jeunes sont tous interreliés. Son parent. Son parent, oui. Mm-hmm. Ben, c'est une des conséquences de l'implantation des réserves, là. Le fait de vivre en sédentaire. Avant, on vivait nomade, on allait dans chaque famille, même on pouvait aller jusqu'au lac Abitibi, même jusque dans Maniwaki, même on s'en allait jusqu'à Montréal. Mais aujourd'hui, non. Ici, au lac Simon, c'est quoi? C'est 80-85% de l'assistance sociale. Puis sur 80-85%, il y a 60% des jeunes qui sont là. Fait qu'en quelque part, c'est un bombe à retardement, ces jeunes-là. C'est explosif. Mm-hmm. Il y a des couples, là, à ce temps, ils font des enfants, là, pour avoir des allocations familiales le plus haut, là, tu sais. Il y en a des jeunes filles, là, ils ont à peu près 20 ans, là, ils ont 6-7 enfants déjà, là. Puis, il n'y a pas beaucoup plus d'encadrement des parents de ces enfants, là. Au niveau, là, de l'éducation, là, ben, il manque de le support de leurs parents, de leur affection, tu sais. Ils connaissent pas ça, les jeunes, tu sais. Des fois, là, quand je faisais ça à une fille, là, tu sais, je les vois, c'est bien raide, là, tu sais, c'est comme si ils n'ont jamais eu quelqu'un qui les va les supporter puis les caresser comme les ailes. Tu sais, les prendre dans les bras, là, puis tu sais, dire, t'es un petit peu capable de t'en sortir, puis tout, là, tu sais. Salut! Bonjour, la caméra! Ah, check, man! On est les superstars! C'est quoi le but de ça? Ouais, le spagging. Ils sont malheureux. Tu sais, ça. Ils n'ont pas, on dirait, ils n'ont pas de vision de leur avenir, là. Ils ne sont pas capables de dire que je vais en faire, puis tout, là. Comment il y a d'étudiants ici qui veulent aller au cégep? En quoi? Avez-vous une idée? Technique? Technique de quoi? Il y en a plusieurs techniques au cégep, là. Technicien en informatique? OK. C'est bien. Les autres? Vous ne le savez pas encore? Est-ce qu'il y en a qui prévoient aller faire un bac à l'université? Mitch, as-tu une idée en quoi? Soit infirmier? OK. Les autres, vous n'êtes pas sûrs, puis c'est tout à fait normal. Là. Faites-vous-en pas avec ça. Là. Dans cette communauté qui ne génère aucun revenu, la moitié des jeunes garçons ont tenté de se suicider. Dans la réserve de Kitiganzibi, à côté sur la ville de Maniwaki. Le tiers des Algonquins vivent ici. À comparer aux autres réserves, elle est beaucoup plus grande. Ici, on ne mesure pas la superficie de la réserve en termes d'acres, mais bien en kilomètres carrés. 150 kilomètres carrés. À prime abord, on peut penser qu'il y a un rapport avec la grandeur d'un territoire qu'on contrôle et la qualité de vie qu'on y retrouve, l'espace vital. On remarque que les maisons sont coquettes, avec de l'espace entre elles. À Kitiganzibi, les Algonquins sont propriétaires de leurs maisons. Il y a toujours eu une école ici, de sorte que sa population n'a pas subi le traumatisme des pensionnats. Bien ici, bien, le chemin continue. C'est ça, c'est... Ah, super. Moi, en tout cas, une grosse différence avec les autres, là. On voyait pas des belles maisons, il y a 28 ans. Ça s'est bien développé, là. Ah ouais. Avec la bande, ça. Ça, c'est un Indien qui a fait ça. Ah, ouais, ouais, c'est... Par ses activités économiques, la communauté génère la moitié de ses revenus, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres villages algonquins complètement dépendants du fédéral. C'est un privé, que ça.
moi, en 76, j'ai commencé tout de suite. J'ai dit, écoute, la base, là, faut avoir accès aux ressources. Faut avoir un mot à dire dans tout ça. On a fait un effort, nous. On a fait des études du territoire pour s'assurer que le site n'a pas été éteint. Et on a dit, écoute, oui, les réserves ont été formées, mais on n'a jamais cédé nos territoires ancestrales. Il faut avancer et essayer de régler notre revendication globale. Ça, c'est la première étape. OK, this is the big map. So Montreal is there. Yeah. You go up the Ottawa River. Ottawa is here. Yeah. And there we get into your territory. Yeah. By the Ottawa River. Yeah. That's it. This way. And Val-d'Or is there. That's right. And this is it. This is Kitigan-Zibi now, as it is today, right? That's here. The reservation. That's the reservation. On a mis les gens sur la réserve. On n'avait pas le droit de partir de la réserve sans l'autorité de l'argent des affaires indiennes jusqu'à les années 50. Avant ça, tu n'avais pas le droit de partir. Il faut lui demander l'autorité pour partir. C'est comme une prison, là. Le système t'a bâti contre nous. La réserve de Kitigan-Zibi est la plus ancienne réserve algonquine avec celle du lac Témiscamingue. Plus vieille que la province de Québec, 1853. À l'époque, les Algonquins avaient permis à la congrégation des Oblats de s'installer sur le bord de la rivière. Par la suite, les Oblats ont vendu aux Blancs nouvellement arrivés ces terrains dont ils n'étaient pas les propriétaires, ce qui a créé Maniwaki. Toute la ville était sous rentification. Hein? All of the town is under claim. The whole town of Maniwaki is under claim, sauf pour les parties qu'on réglait déjà. All the other parts of the town of Maniwaki within the river boundaries are under claim. Centre d'achat, l'hôtel de ville, l'arena, centre récréatif, les routes, les résidences, toutes les parties qui ne sont pas réglées sont sous rentification. Donc... Les gens de ville de Maniwaki, ils ne savent pas toute l'histoire qui est passée en arrière. Puis ils pensent qu'il y avait un titre clair puis légal, mais ce n'est pas le cas pour toute la Maniwaki, sauf la place qu'on a réglée déjà. Les autres identifications, ça touche leur titre sur leur territoire, vraiment, leur résidence, leur maison. C'est sérieux. Est-ce qu'ils savent? Je pense pas. Je pense pas. Ils pensent que c'était, comme je vous dis, là, c'était un temps passé, puis c'est trop longtemps, mais... Le Kitigan-Zibi, le conseil de bande, puis tous les gens, on est d'accord avec un processus qui était satisfait pour toutes les parties. Ça, c'est la réserve, vraiment. C'est la réserve... Oui, on peut voir les bordures de la réserve originale. Oui, la réserve originale, mais la grande place ici, c'est la ville de Maniwaki. Presque toutes les places en ville ici, dans la ville même, on veut négocier avec le Canada pour régler toute l'entente. Puis avoir une... Ajoute la même superficie ici, peut-être au ouest de la réserve ou sud entre grands lacs. Ici, il y a une place là, okay. De terre de couronne. Vous êtes prête à dire, OK, gardez la place, là, les Blancs, là, gardez vos rues, gardez vos... Rien. Tout ça. Mais en échange, on voudrait aller agrandir ailleurs. Ailleurs. La première revendication qu'on a réglée, la revendication des Oblats, nous a amené 2,7 millions, je pense, en totalité. À quelle année, ça? Oh, les années 80. Je ne me rappelle pas exactement l'année. Ah, oui. Ça a aidé, par exemple, comme base financière pour faire d'autres choses. Ah, c'est comme, tu sais, ça a donné une opportunité pour faire des développements. Ça, c'est-tu les gars que tu travailles là-dessus? C'est-tu des Algonquins? C'est tous des Algonquins. C'est tous des Indiens de la place, ici. Non, ils se prennent en main. OK. En se développant, nous autres, on a quand même perdu... On a perdu des plumes, excuse. Ah ouais, ouais? C'est un jeu de mots, là. Oh, ouais. Comment ça? Ben, c'est parce qu'on les mène plus pour ça. Hein. Ils se mènent entre eux autres, à ce temps. Quelle sorte de rapport vous entretenez avec Maniwaki? Le rapport est cordial, je pense, mais il y a toujours une friction entre les deux. C'est comme un mur invisible qui existe entre les deux sociétés. On n'a pas de relation près avec Maniwaki. Les gens vont aller en ville faire des achats, tout ça, pour des choses qui s'apprennent tous les jours, mais la relation n'est pas proche. Elle n'a jamais été proche. Il y a un frimat comme un foie qui existe entre les deux pour un million de raisons. La relation, la façon qu'elle évolue, on se méfie toujours parce qu'on
Il y a des jeux qui ont été joués. Alors, il y a toujours la méfiance qui est toujours là. Alors là, on rentre dans un monde de compétition aujourd'hui, dans l'entreprise privée. Là encore, là, les entrepreneurs locaux de Maniwaki ont peur de nous, là, parce qu'on commence à développer. On va prendre une part du morceau de gâteau. Centrale taxi. Maniwaki, c'est du déclin, quoi? C'est sûr, parce que 25 ans passés, il y avait peut-être 10 000 de population. Aujourd'hui, on est à peu près 4 500. Ah oui, tant que ça. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, comme le bois, ben, c'est des grosses machines. Au lieu d'avoir 100 hommes, une machine ben, va faire l'ouvrage de 100 hommes, tu sais. Mm-hmm. Une comparaison, là, veut dire, c'est fait que ça enlève l'emploi. La réserve, elle la pousse. Oui, la réserve, elle pousse. Elle a, je pense qu'ils sont 15 à 1600 de population, eux autres, là. OK. Juste la réserve. Un jour, ils vont avoir joué. Hein? Oui. Ça s'en vient bien. Pas beaucoup de communautés que tout le monde était sur le BS et derrière 30 ans. Pour les apprendre, se lever le matin, aller au travail, puis produire dans la journée. Là. Il y a une dépendance énorme, il y a toute une éducation à faire. Mais les gouvernements n'ont pas mis d'efforts pour s'assurer que les Algonquins et d'autres communautés au Québec font partie du développement économique dans leur région. Ils ont été mis de côté. That reserve in Maniwaki was meant for us to go there too as well, that reserve. The people are from Rapid Lake, and they didn't like that idea of being sent to Maniwaki. They wanted to live within their territory, so they never went to that reserve. Therefore, they called us squatters. Let them be squatters. So that's how we were treated. And therefore, the only thing that we try to depend on is this 59-acre reserve. And this 59-acre reserve is not enough for us to hunt. The only thing we have over here in the summertime is the mosquito to hunt, as you'd say. But there's nothing at all within the 59 acres. Sur le territoire adjacent à la petite réserve du lac Rapide, les compagnies forestières soutirent année après année 50 millions en revenus. Hydro-Québec en fait autant. Pas une scène pour les Algonquins. À part un voyage de bois qu'une compagnie forestière charitable vient déverser à chaque année dans leur cours. Pour le Trésor fédéral, il en coûte à peu près le même prix pour maintenir en vie un prisonnier ou un Indien. Sauf que pour l'Indien, sa prison n'est pas chauffée. We chop wood for elders. When it gets cold, when they use too much oven, the oven starts, the generator goes off. Eh? It's always like that every year. Eh? Because the generator is no good no more, so. À part les épidémies, il n'y a pas eu de catastrophe soudaine dans l'histoire des Indiens, mais un désastre graduel. En voici le résultat, ici, au lac Rapide, où il est plus facile d'acheter de la cocaïne que de la farine. Thank you.
des maisons surpeuplées. Ici, au lac Rapide, 8 personnes en moyenne par maison, en pleine immensité boréale. Des maisons rongées par la moisissure, de l'eau sale presque partout, font que les maladies chez les Indiens se répandent 10 fois plus vite qu'ailleurs. Le taux de mortalité infantile indien est de 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Qu'est-ce qui est arrivé avec vos enfants? Il y en a 2 qui sont passés au feu. Parce que je pense que l'électricité n'était pas bien arrangée. Puis les 2 autres sont morts en fait, une maladie de cirrhose foie pour un effet hémorragie. Et c'est de même qu'on sont mortes. Ma grand-mère était là aussi quand mes enfants sont passés au feu. Ça brûlait tout vite. Parce qu'il y avait pas ce mur-là. C'est juste comme du plywood. Du plywood, là. C'est pour ça que ça a passé au feu bien vite. Bon, non, start from here. The bottom. Like this. Si on compare 2 écoles primaires éloignées des centres, une indienne et l'autre blanche, l'école indienne doit se débrouiller avec la moitié moins d'argent. Or, il faudrait aujourd'hui 25 ans de rattrapage intensif aux écoles indiennes pour se mettre à niveau avec les écoles blanches. We see it when the kids come in here in the morning and hygiene is bad. We take care of them when they come in. We just say, "Oh, it's time to use the facilities and clean up and get ready for to come back to class." There's 75%, I would say, unemployment on the reserve. That leads to the kids coming to school hungry, but they know they can always come here for nutrition, and the community knows that. So if they can't provide at home, they know the school can. So. Is that a good thing? Well, I'm just happy that the kids have something to eat. Maybe some days they have 2 good meals and they got them here. So. You need help with any words or anything? Raise your hand and ask. Oh, I'll help you in a minute, Noah. All right. What do you have there? What is this? A canoe. A canoe is a boat. So what do you think they used it for? For traveling underwater, right? And they used it to get to their hunting grounds and things like that, and to move their things from place to place if they were moving. Okay? Now, are you for real going to school here, or are you just... goofing off? What is the answer? Yes or no? Yes. All right. Well, look what the cat dragged in. Finally. Yeah. Well, what are you going back for? Get in here. It's just like we don't work. It's like we do our separate things. We do like our own things, you know? It's like we do like practically nothing. It's like all we do is like sit around, go on computers. Here. See that there? Write it down. No. Look at this guy, eh? Is there a reason why this guy is going to end up in the woods living under a toadstool? What are you grunting about? I asked you to get the definition for that word there. All we do is like bother each other, doing it's like. Chris, what does it mean? It's like being mean to each other. It's like wrestling. It's like a freaking. It's like a zoo here. It's like. Okay. Pour le moment, les Indiens continuent de diriger leur violence contre eux-mêmes. Le taux de suicide chez les jeunes femmes est 7 fois supérieur à la moyenne nationale
et 6 fois chez les jeunes hommes. En plus de vivre sous la tutelle permanente d'Ottawa, en plus d'être ignorés par Québec, les Algonquins ont parfois à subir un troisième pouvoir, celui du conseil de bande local. We have this hereditary system that we have, and from there on, the chief will continue their duties until they die. Once you have a traditional system, you can't change it. If you change it, then it's something new that we don't know what would it be. So as well, we just keep on saying and doing the same thing. We know the fight, we know what we have to do to protect our system, but it's no use to try to change it to be more of a democratic approach. It would be more about just people consenting to what we want to do. Très souvent, ces conseils de bande sont constitués de clans familiaux qui se confrontent constamment dans leur petite réserve pour s'arracher le contrôle politique de la communauté. Contrôle qui donne accès au seul job existant, celle reliée à l'administration même de la bande. Tout le reste du monde est sur le BS. Ce conseil de bande détient un pouvoir énorme sur la vie privée des gens, en particulier sur celle des femmes. Il peut annuler à son gré le droit d'occupation d'une maison. Do the woman could be chief in it? No, we don't have that, but they have a say in their own women's group. Okay. That what they want is bring it to the attention of the chief's wife. Okay. Si tous les Indiens du Canada constituaient un pays, ce pays se situerait en termes de qualité de vie en 63e position mondiale, voisin du Ghana et du Congo. Mais les Indiens n'ont pas droit à l'aide internationale canadienne. Leur consolation, ils peuvent contempler leur misère moins longtemps. Ils meurent en moyenne 7 ans plus tôt que les Blancs. À l'automne 2007, les Nations unies ont adopté presque à l'unanimité une déclaration sur les droits des Autochtones. Le Canada a voté contre. Pas étonnant, sa propre charte de droits et libertés, dont peut se prévaloir un nouvel immigrant, ne s'applique pas aux Indiens. Presque une moitié de la population du Québec se souhaite un pays souverain, sans réaliser qu'elle fait subir à ceux qui lui ont jadis sauvé la vie un sort autrement plus amer que le sien, le déni d'existence. On escompte peut-être que les Algonquins seront un jour ou l'autre dans un tel état de faiblesse qu'ils devront définitivement accepter la loi du plus fort et disparaître. In our system, this is the academic memo is written as when the memo is copied to the organization. The Google is to be not going to be given. Je vais vous montrer la nature. Je vais vous montrer la nature.